Si te otiga libertad.
On chante avec
Nous ne pouvons que le remercier. Sans plus tarder, parce que nous avons déjà tardé. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, nous courons. Nous étions à vraiment assumer tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Le monde dit la patience paye. Merci pour votre patience. Nous avons l'honneur de recevoir l'homme de Dieu qui a traversé des milliers et milliers de kilomètres pour venir nous apporter l'évangile. Vraiment, Papa Roger, un grand merci pour déjà la confiance que vous avez nous donnée pour venir passer les bons moments avec nous dans le Seigneur. Nous serons vraiment reconnaissants pour cela. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, celui que Dieu a choisi ces semaines, nous porter de belles paroles qui vont nous changer, qui vont nous transformer notre vie. Papa Roger, vous débat. Bien-aimés, je suis dans la joie ce soir pour l'opportunité que le Seigneur m'a fait d'être ensemble avec vous ici à Paris. Et je remercie le pasteur Blaise pour la confiance qu'il m'a fait afin que je puisse partager la parole avec l'Église du Seigneur. Je ne me sens pas étranger puisque je suis au milieu de mes frères. Amen. Nous sommes Amen. Une seule famille. Amen. Je suis content de trouver mes enfants ici. Il y a Paul, j'ai vu aussi mon petit, je vois qu'il est sorti. Ce sont mes enfants, fiston, Boaba. Donc je me retrouve en famille. Amen. Amen. Mais ce qui m'amène ici, c'est partager la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi le livre des Juges, le chapitre 6. Juges, le chapitre 6. Et tout au long de mon séjour ici à Paris, pendant tous ces séminaires, je ne parlerai que sur ces livres des juges comme mon livre principal. Juges,
6 pour aujourd'hui. Nous allons lire le verset 1 à 10. Je sais qu'on contrôle les temps, mais ne vous en faites pas. Et pendant les quelques temps qui nous restent encore, le Seigneur peut nous faire du bien. Amen. Amen. Juges chapitre 6, je commence avec le verset 1. Est-ce que je peux lire? Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors, le Seigneur les livre aux Madianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. À cause d'eux, les Israélites s'installent dans les couloirs des montagnes, dans les grottes et dans des endroits difficiles à atteindre. Chaque fois que les Israélites sèment dans leurs champs, les Madianites viennent les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Est. Ils campent sur leurs terres et ils détruisent les produits des champs jusque près de Gaza. Ils ne laissent rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissent ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils viennent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivent en masse comme des sauterelles. Ils sont si nombreux et leurs chameaux qu'on ne peut les compter. Ils rentrent dans le pays pour le détruire. Les Madianites mettent les Israélites dans une grande misère. Et ceux-ci crient vers le Seigneur. Quand les Israélites appellent le Seigneur pour les libérer des Madianites, le Seigneur leur envoie un prophète. Cet homme leur dit de sa part, « Moi, Seigneur, Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai libéré des Égyptiens et de tous ceux qui vous maltraitaient. J'ai chassé vos ennemis devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu. Vous qui habitez les pays des Amorites, ne servez pas leur Dieu, mais vous ne m'avez pas écouté, parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, comme ça a été annoncé, nous commençons notre séminaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, pendant les quelques minutes, j'aimerais parler sur ces 10 premiers versets du livre des Juges 6. Comme vous le savez, tout au long de ce séminaire, je vais partager quelque chose qui est très important. C'est que le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Amen. La Bible parle ici des enfants d'Israël. Il y a eu un homme appelé Jacob. Dieu l'a choisi. Dieu a travaillé avec lui. Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Et Dieu a fait une alliance avec cet homme. Cette alliance était une alliance de paix. Dieu lui a promis des choses. Et cette alliance et les promesses de l'alliance ne se limitaient pas seulement à l'homme qui a fait l'alliance avec Dieu, mais aussi à ses enfants et à toute sa descendance. Ce peuple d'Israël existe encore aujourd'hui. C'est la nation d'Israël qui est connue, qui est puissante, qui est une particularité en grâce, comme vous le savez. Alors c'est de ce peuple que la Bible parle. La Bible montre que ce peuple a fait ce qui déplaît aux yeux du Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est un peuple que Dieu s'est choisi et Dieu a promis leur faire du bien. Le Seigneur les a donné les promesses
de supériorité par rapport aux autres nations. La bénédiction, bien même que les autres peuvent ne pas être bénis, la guérison, et il y a eu autant de promesses que le Seigneur a prononcées pour ce peuple qu'il aimait et qu'il s'est choisi. Amen. Amen. Mais vous savez, ce peuple, malgré toutes les promesses, malgré l'alliance, malgré les choix de Dieu qui étaient portés sur ce peuple, la Bible montre que le peuple a fait ce qui déplaît aux yeux du Seigneur. Comme Dieu aime celui, comme Dieu châtie celui qu'il aime, Dieu l'a châtié. Et dans les châtiments-là, la Bible montre que le Seigneur a livré le peuple d'Israël entre les mains d'un peuple, un autre peuple, appelé les Madianites, le peuple qui habitait Madian. Et ce peuple madianite a pesé de son pouvoir, dit la Bible, sur Israël, sur le peuple de Dieu, sur le peuple qui avait les promesses, sur le peuple qui avait l'alliance avec Dieu, à cause de ce qu'ils ont fait et qui a déplu aux yeux du Seigneur. Amen. 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 Mais bien aimé, à cause de ce que le peuple a fait, que Dieu n'a pas aimé, Dieu les livre. Dieu les corrige en utilisant un peuple madianite. Et le peuple madianite, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il attendait toujours certaines opportunités, afin de châtier, afin de dominer sur Israël, la Bible montre que ce peuple madianite s'est arrangé aussi avec un autre peuple. Ils ont cherché les peuples nomades de l'Est et ils ont cherché les Amalécites. Ils sont devenus comme trois nations contre une seule. Dieu a utilisé les Madianites. Les Madianites ont associé d'autres peuples. Les peuples qui étaient aussi ennemis au peuple d'Israël afin qu'ils puissent peser et qu'il puisse dominer Israël. Amen. Voilà comment, à cause d'une désobéissance à Dieu, les peuples qui étaient appelés à vivre le bonheur, la prospérité, la domination, la victoire, a renversé les camps, est allé dans une position de faiblesse par rapport aux Madianites, par rapport aux Malécites, par rapport aux nomades de l'Est. Et ces ennemis regroupés se sont organisés pour détruire, pour nuire et pour causer des ennuis sérieux au peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais dire ce soir? J'aimerais dire que, mes frères, Dieu s'est choisi un peuple que nous sommes, moi et toi. Amen. Dieu a des promesses merveilleuses pour moi et toi. Amen. Dieu a une alliance pour moi et toi avec lui. Amen. Laissez-moi vous rappeler que moi et toi, nous sommes aussi bénéficiaires des grâces, des promesses, et nous appartenons au peuple d'alliance au travers de Christ notre Seigneur et Sauveur, et nous sommes devenus aussi fils d'Abraham. Amen. Mais à cause de la désobéissance à Dieu, nous pouvons vivre comme si on n'a pas de promesses. Nous pouvons vivre comme si on n'est pas appelé à la victoire. Nous pouvons vivre comme si on n'est pas appelé au bonheur. Nous pouvons souffrir, crier, pleurer à cause de ce qu'on peut faire qui déplaît aux yeux du Seigneur. Amen. Amen. Donc, quand un enfant de Dieu, malgré les promesses, malgré la Bible qu'on a, malgré l'alliance avec Dieu, malgré les
marchons pas de manière correcte avec celui qui nous a appelés, mes frères, nous pouvons vivre comme si on ne mérite pas la grâce, comme si on ne mérite pas les promesses, comme si on n'appartient pas à l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Comme vous le savez, Paul écrit aux Romains, dans le chapitre 3, le verset 3, il leur dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous pouvons trouver une pensée claire que quand on pêche, on se prive de la gloire. Quand on pêche, on se prive de la gloire. Les péchés nous empêchent à expérimenter les promesses que Dieu a pour moi et pour toi. C'est pourquoi tu peux trouver un enfant de Dieu, né de nouveau, mais à un moment donné, il passe des moments difficiles. Ce n'est pas un combat qui vient au hasard. Ce n'est pas une preuve de la part de Dieu. Mais deux fois, il nous arrive de passer des moments difficiles et de souffrir à cause de notre manière de marcher. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à marcher de manière digne. Yes. La Bible dit que notre Père est saint et il nous appelle à être saints. Cette sainteté-là, d'abord, c'est une position par rapport à Christ. Quand on est en Christ, Dieu nous justifie. Dieu nous sanctifie. On nous appelle un peuple saint. D'abord, par le fait qu'on appartient à Christ. Mais nous devons nous maintenir dans cette position. Ne pas nous souiller. Ne pas faire ce qui te plaît aux yeux de Dieu. Ne pas pécher. Amen. En fait, le péché, c'est faire ce qui déplaît à Dieu. Le péché, c'est faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Le péché, ce n'est pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Je me fais entendre. Amen. Le péché, si je me répète, c'est faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Ce n'est pas faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est faire ce qui déplaît au Seigneur. Amen. C'est le péché. Et quand il nous arrive de le faire, ce qui arrive naturellement chez l'homme, c'est que l'homme, quand il pêche, il cherche des excuses. Voilà pourquoi même dans le jardin d'Adam, quand Adam et Ève ont péché et que Dieu est venu pour leur parler, l'homme accuse la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Autrement dit, ce n'est pas moi qui suis l'auteur. C'est la femme qui est l'auteur. La femme dit, non, mais ce n'est pas moi aussi. C'est le serpent qui m'a trompé. Chacun cherchait à donner des excuses. Mais laisse-moi te dire que quand il nous arrive de faire ce qui déplaît à Dieu, les excuses ne fonctionnent pas. Yes. Amen. Amen. Dieu ne s'attend pas aux excuses, non. L'homme accuse, la femme accuse. C'est comme aujourd'hui, si vous trouvez un couple qui a un problème et que vous voulez les aider à résoudre leur problème, difficilement, quelqu'un va lever la main pour dire « j'ai commis l'erreur ». Mon mari, pardonne-moi. Ma femme, pardonne-moi. Chacun cherche à donner les côtés positifs de sa situation. Chacun cherche à se justifier. Chacun cherche à donner des excuses. C'est la nature de l'homme. Amen. Amen. Ce qui est naturel chez l'homme, quand il nous arrive de commettre un péché, c'est nous cacher. On se cache. Et surtout, qu'on a besoin de l'honneur des autres. On préfère le faire mettre caché pour que personne ne te voie, que personne ne me voie.
Laissez-moi vous dire une chose. Je peux me cacher devant les hommes, mais je ne veux pas me cacher devant Dieu. Je ne peux pas me cacher devant Dieu. Tout est nu devant le Seigneur. Qu'on le fasse la journée, qu'on le fasse la nuit, tout est nu devant le Seigneur. Qu'on le fasse dans le quartier, qu'on le fasse loin, tout est nu devant le Seigneur. Notre Dieu, là où il est capable, dans une nuit, dans les ténèbres, d'observer là où se trouve une fourmi sur une pierre sur la terre. Rien n'est caché devant Dieu. Donc, quand l'homme se cache là, il se cache devant les autres. Mais il ne se cache pas devant sa propre conscience. Et il ne se cache pas devant Dieu. Voilà pourquoi Adam et Ève, après avoir péché, ils se sont cachés. Ils ont fui la présence du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui n'apparaissent pas à l'église. La cause, ce n'est pas autre chose que le péché. Ils ont fui. Ils ont caché leur nudité puisqu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. La Bible montre qu'ils ont cherché des feuilles pour cacher leur nudité. Ils ont oublié que les feuilles sèchent. Et quand les feuilles sèchent, ça tombe. Et on va commencer à renouveler les feuilles chaque jour. Se cacher, ce n'est pas la solution. S'intraduiser, ce n'est pas la solution. Le peuple a commis un péché. Le peuple était livré sous la dominance des Madianites. Il y a quelque chose qui m'a étonné pour ce peuple d'Israël dans ces cas précis. La Bible montre que les Madianites les ont dominés tellement que le peuple ne vivait plus dans des maisons, dans des bonnes conditions, mais ils vivaient dans des couloirs de montagne. Les peuples sont devenus des fugitifs. Ils vivaient entre les montagnes, dans les couloirs. Ils se cachaient dans des grottes, dans des pierres. C'est là où ils passaient leur vie. Et quand ils sortaient pour aller semer, la Bible montre que les Madianites détruisaient toutes leurs semences. Et les Madianites ne leur laissaient ni mouton, ni bœuf, ni âne. Le peuple était dans une grande misère, dit la Bible. Le peuple a attendu jusqu'à une grande misère pour crier au Seigneur. Alors qu'ils auraient dû le faire dès le début. Ils auraient dû le faire à temps. Plusieurs fois, il arrive aux hommes de faire ce qui déplaît au Seigneur. Mais on ne revient pas si vite. On attend que la misère s'empire. On attend que les choses deviennent à l'extrême. Le peuple n'avait plus à manger. Le peuple n'avait plus une habitation digne. Et le peuple était dans la crainte, dans la peur. Il vivait dans des brousses, entre les montagnes, dans des grottes. Ce qui n'était pas, en principe, la vie à laquelle Dieu les avait appelés. Adam et Ève se sont cachés. Ils ont caché leur nudité. La nature humaine, quand il nous arrive de pécher, ce qu'on fait, c'est que on accuse Dieu le plus souvent. Et si j'ai dit, on dit, le Seigneur nous a abandonnés. Nous avons appris que le Seigneur a opéré des prodiges, des miracles. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés. Mais en fait, Dieu ne les a pas abandonnés. C'est le peuple qui a abandonné Dieu. Dieu, il est un Dieu d'amour. Il n'abandonne pas son peuple. Il n'abandonne pas ses
enfants. Voilà pourquoi, dans les promesses qu'il a faites dès les temps anciens, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, il leur a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point. Dieu promet ne pas abandonner, Dieu promet ne pas délaisser son peuple. Mais le peuple, quand il voit la misère, au lieu de reconnaître que quelque part, on doit revenir vers le Créateur, on l'accuse de nous avoir abandonnés. Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? C'était la question que Gédéon faisait. Où sont les prodiges qu'on nous a racontés? C'est comme si Dieu n'opère pas les prodiges. Mais en fait, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce ne sont pas les promesses. Le problème, ce ne sont même pas les prodiges. Mais le problème, c'était le propre peuple que Dieu s'était choisi, qui s'est détourné. Et bien même qu'il était dominé par les autres, il n'est pas revenu si vite. Il a attendu que la misère le frappe. Mon frère, ma soeur, dans la vie, la bonne manière de résoudre un problème dans ton foyer, même dans l'église, quand il y a un problème, c'est que chacun doit reconnaître sa part, sa responsabilité. Amen. Vous savez, le plus souvent, l'homme que je suis, l'homme que tu es, il nous arrive de faire la même chose que ce peuple. Il nous arrive de faire ce qui déplaît à Dieu. Le message que je vous amène aujourd'hui, les jours de mon introduction, est que quand on fait ce qui déplaît à Dieu, les pires peuvent nous atteindre. Quand on fait ce qui déplaît à Dieu, on peut ne pas vivre les prodiges. Quand on fait ce qui déplaît à Dieu, on peut ne pas bénéficier des promesses de Dieu. Quand on fait ce qui déplaît à Dieu, on peut ne pas vivre à l'aise. Le péché amène la culpabilité. Et l'homme, il va perdre la paix. Il va perdre la paix avec Dieu. Il va perdre la paix avec lui-même. Il peut perdre la paix avec les autres. Amen. Le péché. Et bien même qui arrive, qu'en tant qu'homme, on pêche, Dieu, il est toujours disposé pour nous étendre sa main. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui confesse et abandonne obtient miséricorde. Dieu s'attend que quand son fils, quand son peuple fait ce qui te plaît, ne t'éloigne pas. Approche-toi de ton Dieu. Reconnais là où tu es tombé. Confesse et abandonne. Dieu est disposé pour que tu obtiennes sa miséricorde. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu est toujours disponible pour tout celui qui reconnaît là où il est tombé, qui confesse son péché et qui l'abandonne. C'est pas pleurer seulement. Il y a beaucoup de gens, après avoir commis un péché, il peut passer toute une nuit en train de pleurer. Il peut passer tout un temps sous le sol en train de pleurer. Oui. Ça peut être un moyen de se repentir. Mais je crois que ce n'est pas suffisant. Les pleurs, les larmes ne changent pas de vie. Ce qui change, c'est reconnaître, c'est confesser et abandonner. Et plusieurs fois, il nous arrive même de reconnaître qu'on a mal fait, mais on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. On est devenu comme des femmes pleureuses. On pleure chaque jour à l'église à cause de quelque chose qu'on a fait qui n'est pas bon.
mais bien plus, confessons à Dieu, bien plus, abandonnons. Dieu, il est toujours disposé pour nous faire miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne fuis pas, ne te culpabilise pas, ne cherche pas des excuses, reconnais, retourne vers le Créateur. Il est toujours disposé pour te recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même quand ce premier homme et cette première femme ont commis le péché, le Seigneur est allé vers eux. Le Seigneur a couvert leur nudité. Il a enlevé les feuilles que les hommes se sont cherchées, organisées pour les vêtir correctement, pour les justifier. Dieu est toujours disposé pour nous récupérer. Il est toujours disposé pour nous faire du bien. Voilà pourquoi la Bible dit, les miséricordes du Seigneur durent à toujours. Yes. Durent à toujours. Les miséricordes du Seigneur sont insondables. Les miséricordes du Seigneur sont nombreuses. Il est un Dieu miséricordieux. C'est sa nature, faire miséricorde. Pour Dieu, ça ne coûte pas de te faire miséricorde quand tu t'approches, quand tu reviens. Mes frères et sœurs, vous savez, depuis un certain temps, il y a une certaine tendance qui commence à dominer nos églises. C'est comme si, dans les églises, on croit que pour avoir beaucoup de membres, il ne faut pas prêcher sur le péché. Vous savez, le péché, c'est comme les microbes. Si on ne les soigne pas, il va nuire les santé humaines. Le péché, c'est comme un venin. Si on ne les soigne pas, il est détruit. Le péché, c'est comme une épidémie. S'il n'est pas éloigné du peuple, il peut contaminer. Amen. Amen. L'attitude qui est correcte, c'est apporter la parole de Dieu, demander au peuple de marcher de manière digne. Amen. Je ne viens pas avec le message parlant sur le péché pour te condamner, puisque même Christ ne nous a pas condamnés. Quand on a apporté cette femme prostituée qu'on voulait lapider, elle était condamnée, accusée, et on voulait la lapider et la tuer. Christ a délivré cette femme d'abord d'entre les mains de tous ceux qui condamnaient la femme. Mais il n'a pas encouragé la femme à vivre dans les péchés. Il lui a dit, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Même lui, il n'a pas condamné, mais il n'a pas permis non plus que la femme continue à marcher dans les péchés, c'est clair. Amen. 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 Voilà pourquoi j'apporte ce message comme introduction de ce grand séminaire. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Amen. Écoutez, mon frère, ma soeur, le peuple est allé dans la misère. N'attendez pas que les choses s'empirent pour revenir. Je ne sais pas si quelqu'un m'a écouté. N'attendez pas que les choses s'empirent pour revenir. N'attendez pas que vous soyez dans la misère pour revenir. N'attendez pas que vous soyez à l'extrême pour revenir. Mais dès que vous reconnaissez quelque part que vous êtes à côté de ce que Dieu vous a demandé, repentez-vous. Amen. 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 C'est lui qui se répand, il vit dans les royaumes. Amen. C'est lui qui se répand, il retourne vers Dieu. Donc Dieu n'abandonne pas son peuple. Mais bien même que le peuple peut abandonner Dieu, mais quand il revient, Dieu le reçoit toujours. Voilà pourquoi cet enfant prodige
après avoir dans la liberté qu'il a demandé, il a gaspillé tout ce qu'il avait. Il était dans la misère. Il a commencé même à manger les repas des porcs. C'était Dieu, lui, qui venait d'une famille aisée. Lui qui avait même les travailleurs dans les comptes. Tout péché sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Nous avons suivi l'introduction de notre pasteur. N'hésitez pas demain, invitez. Je sais qu'aujourd'hui, c'était vraiment difficile pour ceux qui sont travaillés. Mais demain, essayez un peu d'inviter. Soyons là à l'heure pour que nous puissions continuer notre grand séminaire biblique. Amen. 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 Ok, sans plus tarder, on va louer l'Éternel et puis on va prier, on va partir. Amen. Amen. Prépare-toi bien dans la louange, on va louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un va acclamer très fort le roi de rois? Que Dieu nous bénisse. Non, est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois? C'est que le roi de rois que nous acclamons. Que Dieu soit glorifié. Une belle parole, un message fort pour nous. Ce sont les bases de la foi chrétienne. Alors, rapidement, nous allons passer aux offrandes. Prépare ce que tu as préparé pour le Seigneur et je vais prier. Dieu de gloire, Dieu de toute grâce, merci Seigneur mon Dieu de gloire pour ces moments des offrandes. Bénis Seigneur la main qui va donner, bénis la personne qui avait l'intention, mais malheureusement il n'a rien. Seigneur bénis ô Dieu les intentions, bénis la source de provenance, bénis Seigneur mon Dieu que rien ne manque dans ta maison, car tu es le Dieu qui pourvoit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi que nous disons. Amen. Yesu bolinga motema.